Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlons de crowdfunding, autrement connu sous le nom de prêt participatif ou crowdlending. C'est un investissement facile, accessible à tous et très agréable à utiliser, pour lequel nous allons voir les avantages et les inconvénients afin que vous ayez un aperçu du potentiel. Avant de débuter, je vous invite comme d'habitude à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne d'Investir et Business. Ça nous motivera à vous fournir de nouveaux contenus pertinents pour vos investissements. Alors, le crowdfunding, qu'est-ce que c'est ? Le principe est simple, cela consiste à prêter votre argent à des entreprises qui recherchent des fonds pour financer leurs projets et leur développement. En d'autres mots, vous jouez le rôle de la banque. Vous prêtez votre argent sur un horizon de temps déterminé. En contrepartie de quoi vous toucherez des intérêts au fil du temps jusqu'au remboursement de votre capital prêté. Nous allons voir tout de suite quels sont les principaux avantages du crowdfunding et pour les inconvénients et les risques, je vous inviterai ensuite à cliquer dans la description de cette vidéo sur le lien qui vous renverra vers l'article que nous avons publié sur notre site web sur ce sujet précis. Alors, les principaux avantages du crowdfunding. Premier avantage, des rendements positifs. Contrairement aux livrets d'épargne ou aux assurances-vie par exemple, qui ont des rendements très bas, le crowdfunding permet d'obtenir des rendements qui sont supérieurs au niveau de l'inflation en France, avec des rendements allant de 5 à 14% en fonction du secteur sur lequel vous allez prêter. Cela signifie que vous allez gagner réellement de l'argent, votre capital va s'apprécier au fil du temps, ce qui est la base d'un bon investissement. Deuxième avantage, aucun frais prélevé sur votre capital. L'inscription sur les plateformes est gratuite et ensuite 100% de votre capital est investi et génère donc des intérêts. Aucun frais d'entrée, aucun frais de gestion et aucun frais de sortie n'est prélevé sur votre capital. Cela est dû au fait que les plateformes se rémunèrent sur les emprunteurs et non pas sur les prêteurs. Donc, je le répète, si par exemple vous investissez 1000 euros, eh bien ces 1000 euros vont travailler et générer des intérêts. Troisième avantage, des revenus totalement passifs. Une fois votre investissement lancé, c'est-à-dire une fois que vous avez signé vos contrats de prêt, vous n'avez plus rien à faire à part vérifier que vous avez bien reçu vos intérêts au fil du temps et le remboursement de votre capital. C'est du pur automatique car les plateformes s'occupent de tout. Sélection des projets, volet administratif, fiscal, versement des intérêts, remboursement du capital, etc. Donc vous aurez des revenus totalement passifs qui vont tomber chaque mois ou chaque année sur votre compte. Quatrième avantage, la diversification de votre portefeuille. Si vous avez déjà d'autres investissements en bourse, en crypto-monnaie, en immobilier par exemple, eh bien ajouter du crowdfunding à votre portefeuille va participer à une bonne diversification. Et cela pour une raison qui est simple, il est décorrélé des autres. Par exemple, si vous avez un krach boursier ou un krach sur les cryptos, par exemple, eh bien, votre crowdfunding va continuer à fonctionner et à performer et à vous ramener des intérêts. Donc, ça va vous permettre d'atténuer le choc, par exemple, d'un krach boursier et de lisser votre risque moyen sur votre portefeuille global. Donc, consacrez 5%, 10%, 15% ou même 20% de votre capital au crowdfunding peut être pertinent dans cette optique de diversification de votre portefeuille global. Cinquième avantage, une visibilité importante. C'est l'un des avantages majeurs du crowdfunding, c'est que vous savez précisément où vous allez. Contrairement à la bourse par exemple, où vous ne savez jamais combien vous allez gagner, si par bonheur vous gagnez, avec le crowdfunding, un horizon de temps et des taux d'intérêt sont fixés à l'avance avant la signature du contrat de prêt. Donc vous savez précisément combien vous allez gagner et quand. C'est clair, c'est lisible. Sixième avantage, vous aidez l'économie réelle. Le crowdfunding consiste à prêter votre argent à des entreprises pour les aider à financer leurs projets. Pas de spéculation financière avec le crowdfunding, contrairement à la bourse par exemple. Là, vous aidez concrètement des entreprises et des territoires à se développer. C'est du concret, vous participez à l'économie réelle d'une région ou d'un pays. Et en plus, vous êtes payé pour ça. Donc c'est vraiment très agréable et très gratifiant, car vous allez participer à créer de la valeur, de la richesse, de l'activité, de l'emploi en prêtant votre argent. Septième avantage, accessible à tous et simple à utiliser.
Simple car une fois inscrit sur les plateformes, et cela prend 5 minutes, vous allez pouvoir prêter votre argent à des entreprises en quelques clics seulement. Accessible car pour prêter votre argent, vous n'avez que deux conditions seulement à remplir, être majeur et avoir une carte d'identité en règle. Et en plus de ça, vous pouvez commencer à prêter à partir de 20 euros seulement de capital. Donc c'est vraiment accessible à tous et vous n'avez pas besoin d'être riche pour investir avec le crowdfunding. Même avec de toutes petites sommes, vous pouvez prêter votre argent et commencer à faire travailler votre argent pour générer des intérêts. Évidemment, plus vous avez d'argent à prêter et plus vous allez générer des intérêts. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour démarrer. Vous connaissez maintenant les principaux avantages d'investir avec le crowdfunding. Il en existe d'autres qui sont présentés dans notre formation spéciale crowdfunding, que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Il existe aussi, et ça serait mentir que de prétendre le contraire, quelques inconvénients et quelques risques. Alors pour les connaître, je vous invite à lire l'article que nous avons publié sur ce sujet sur notre site web. Je vous laisse là aussi le lien dans la description de cette vidéo. La bonne nouvelle, c'est que ces risques peuvent être maîtrisés, mais pour cela, il faut déjà en avoir conscience. Et il faut connaître les méthodes qui permettent de maîtriser les risques et donc d'investir sereinement. Ces méthodes sont enseignées dans notre formation qui va donc être rapidement rentabilisée car elle va vous permettre d'éviter de commettre les erreurs de débutant et donc de gagner plus d'argent plus vite. Dans cette formation, vous allez tout comprendre sur le crowdfunding, vous allez donc apprendre à maîtriser vos risques, vous allez aussi apprendre à booster vos rendements, vous apprendrez aussi la méthode pour débuter vos investissements dès aujourd'hui avec un plan d'action en 7 étapes que vous n'avez qu'à suivre point par point. Si vous voulez connaître l'intégralité du programme de cette formation, vous avez le lien sous cette vidéo. Vous allez voir, c'est très simple, à partir du moment où vous savez comment faire, le crowdfunding est vraiment un investissement appréciable, agréable et qui va vous permettre de générer des revenus totalement passifs. J'espère que ce contenu vous aura été utile, qu'il vous aura éclairé. Je vous souhaite de bons investissements. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite sur Investir et Business.